Yenge matondo inge talo sako bandeko bakongomani nyoso esengo ezali sou ya kozali boso na bino na nzela ya emission o réfléchissant emission o permettaka bino nangai to réfléchir na nzela ya actualité politique ya mboka Congo lelo mingi tokolobela makambo matali déclaration ya Jules Alingeti o azaki le 27 na Isal oyo amekaki kolobela makambo ya situation sécuritaire ya République démocratique du Congo pour dire que na République démocratique du Congo guerre ezate batonyoso bakoki koya ko sa musala na bango ndenge sengeli une façon ya ko attirer ba investisseur ba ko bayete na mboko Congo ba sa musala mais déclaration ya Jules Alingeti etayé ba vet vraiment dira mikolo nyoso batu ba ebele balobi sur Jules Alingeti ba misu balobi que Jules Alingeti a totalement raison. Congo ezaka na guerre te ezana attentat topé ezana insurrection ya ba groupes armés ou ezana est ya mboka Congo on peut pas parler de la guerre s'il faut parler de la guerre eza contre un autre état état ni biso toza ngo na guerre ba o wana ba pesi ba fleur na Jules Alingeti mais ba susu balobi koloba na réalité ya Congo il y a des gens qui meurent chaque jour ezana batu oyo même batu oyo gouvernement congolais batinda ki bango état de siège au bazaba militaire na est mboka Congo ils ont fait la déclaration pour dire le M23 sont soutenus par les soldats rwandais donc toza na guerre contre ba pays ya est ya mboka Congo eza Uganda Rwanda Burundi est-ce que bazana raison to bazana tort to koluka kana kati ya miso to bimisa ba argument o ekola kisa qui ont raison qui ont tort. Banani bazana raison, banani bazana tort, na makambu oyo. Tolobela conférence yango ndeko Jules Alingeti akendaki na ISA, na États-Unis d'Amérique. Ndeko Jules Alingeti akendaki kuna, balobi c'était une façon ya kwa attirer ba investisseurs ba ya na mboka Congo, pona kwa attirer ba ba ya na Congo esengeli azala na maloba moko oyo maloba moko flatteuse ou de paroles flatteuses je peux dire ou ba paroles mielleuses. Est-ce que batongo baza bazo ba o ba kosuka ka na niveau ya ba parole parce que Jules Alingeti a dit ba moko ba ye ba yo ko sa ba entreprise na bona Congo ba ko investir na Congo seulement parce que Jules Alingeti a dit qu'il y a pas la guerre na République démocratique du Congo. Jules Alingeti qui n'est pas le président de la République. Le président de la République a effectué plusieurs voyages na niveau ya libanda ya mboka pour demander na ba investisseur boya ko investir na mboka Congo ba peuple bazwa ba emploi mais lokola mboka eza na kimiate bomoni ba misusu net na Belgique o basengaki de ko Félix Antoine Tshisekedi esengeli na ye a lukela makambo etali corruption solution o a prometté ka biso na zongi na kata mboka na ko sala agence o kozala agence anti corruption mais malgré ça l'agence anti corruption bazo kangapeka batu na corruption eza na insécurité monétaire na kata mboko yo insécurité ya ba vie insécurité ya ba entreprise ya batu insécurité yango ba pays étrangers bazo ya ko investir te mais lokola ko comprendre yango c'est dit Jules Alingeti n'est pas Dieu ou Jules Alingeti lobi te ka makambo a lobi est-ce que oh Jules Alingeti a lobi na oh Félix Antoine Tshisekedi na zo ta ya ko loba ya ba na ba ba voyage tout a kenda solution ni est portant na mboka po oh ya Jules Alingeti o a ke ko loba loba et porter solution na mboka il faut te fanda to réfléchir to koma na niveau ya oyeba. Et si kanini toko kende pe pona nini toko sala makambwana to
solola kaka yango na makambu ya makambu matali est ya mboka Kongo. Tangu boko lo bake guerre ezate. Mais tozwa ka déclaration. Ya FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27779 et du soldat de rang Wajeneza Muhindi John alias Wadje. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiarimana. Et l'autre, là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leur commandant de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Oh, bon, t'as dit un état de siège. Alors, le M23 est soutenu par les Rwandais. Tabou, FARDC a koloba, ma déclaration, bon, tout est bien, t'es qu'il y a quatre FARDC. Ils ont quand même un service où est allé renseignement. Pour le cas, renseigner, bateau, quand tu as pu soutenir, comment, mais tout qui n'a pas encore été renseigné là, nini. Banani, bah, renforce, ça, kabango, bah, quand. Il y a un refuge, il y a un attaqué, et ils ont vite compris qu'ils sont base à base à sous y a quoi recul na bango oba recul à ça ce bateau va attaquer na bango base wana eza mingi na Rwanda et c'est Rwanda qui fournit les armes ou na canal ya Rwanda de minduki ya M23 kokota donc directement à même ce total ba vidéo ya ba tu oyo bakangi au comment na bilongi wana ce sont plus des Rwandais et beaucoup de gens. Donc beaucoup d'hommes, dans les groupes armés, ils ont déclaré que ce sont des Rwandais. Et comment vous voulez fouiner encore ou chercher pour que vous sachiez que non, guerre pour la tous en la guerre, photos en la guerre en état moko. Rwanda, tous en la guerre, au Mokilimobimba, monde entier. Et pourquoi les autorités congolaises cherchent toujours à cacher ou à blanchir le Rwanda devant l'association internationale, devant la communauté internationale. Pourquoi? Ils ont toujours tendance à cacher Rwanda, à cacher Ouganda, à cacher Burundi pour dire que non, le pays où on a été, ce sont les dignes fesses des pays. Tout à l'heure, moi, quelques bateaux, au Bakanga, il y a M23, tout le monde, ceux qui sont solo, ce sont des Congolais ou ce sont des Rwandais. Est-ce que la FARDC avait tort? Toi, il y avait raison, n'a qu'un régi tout dans la vidéo. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006, et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. De là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Beni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Banakufunga bananifunga bananikamata nikuwa mina jiripote ku masoda ya leta ya Kongo. Uko nani? Nikuwa mina toka mu M23. Niketoroka. Unatoka mu M23 uko uko soda M23? Niko soda M23 njuko nikuwa mina toka mina toroka. Ulikuwa na ranka gani? Nikuwa private. Sauti?
Niko niko private. Unakuwa mfose ya nani, ya komanda nani? Ninakuwa mfose ya Colonel Foster. Okay. Okay, unatoka ku position gani? Ku defense gani? Natoka mu defense yake ilikuwa inaikala hapa kuna ni ngambo ya yule hapa ku yule ya paruasi ya hapa chanzo yule Bugusa. Bugusa injo kwa nata Bugusa. Okay, pale mko defense ngapi mwa ile kilima Bugusa? Pale piko defense mbili, mimi na kwa ni kwa moyo ya Foster na Colonel Mboneza. Sasa chanzo kuko nani? Chanzo piko General Makenga. Kuko defense ngapi? Piko defense. Chanzo piko defense moya, mea lakini anaishi pamoja na mwingine Colonel, anakuwa yuko pamoja pale mu defense moya pale ya chanzo ya Kabambi. Na Runyoni sasa piko defense mbili. Manake Runyoni, chanzo, Bugusa, ingine ingine defense iko fasi gani? Iko chini kwa wanaita Musongati. Musongati. Musongati yengine iko yulu pale ngambo ya pale mu parki ya Virunga yulu. Eti kuya simama. Kuya. Sawa sawa. Sawa sawa. C'est comme ils sont conduits dans la jeep ougandaise, ils partent vers le camp de l'Ouganda. Si le capitaine de la force ougandaise, mais respect, Samane Afan, on a osé à tout partir Madina. Madina y'a pas. Yao, Dieu. On a tout partir Djina moja kwa moja. Dieu, qui l'a mis toi Djina? Djina, on a eu toi nani? Sakizimana, wewe jina? Comme jina? Hein? Ongea jina. Merci beaucoup bolandi na boke binyoso makambu oyo ekoleka batu o bako kanga ya M23 ba dire na bango bilongi na bango ba morphologie na bango nous dirons directement ce sont des Rwandais. Et ces Rwandais là oh ba bomba nina sima ya deux ou trois identités congolaises pour ba lobe te que non ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des dignes fils du Congo. Yango loko to senga ke congolais fois en la carte d'identité. Il faut te ba ko identifier ba voisin na biso bato ba za pembe na biso. Est-ce que ces gens là connaissent le Congo? Moi je connais l'affaire Moko. Oh ya mutu moko a livré ba carte de l'RTR. Oh yo ba kanga ba Rwandais na frontière. Il y a RDC, n'a pas identité congolaise, pays à Kinshasa, il y a ligne de commune, il y a Kinshasa. Mais les Rwandais ont été kangi. Ils devaient venir, ils avaient visionné qu'il y a un Congo, qu'on s'installait dans le Congo, na Kinshasa. Mais ce sont des Rwandais. Pourquoi on était par Rwandais, bah oui, bah réfugiés congolais. Oh bah ils sont nombreux. Tu mets toi bah on a pas comme moi ils sont nombreux. Oh bah congolais bon moi bah on a qu'à identifier bah côté le Rwanda. Tout le balamunoroni infiltré Congo. Pourtant on sait la guerre. Bino bolo bah non, ce ne sont pas les Rwandais. Ils ont bah congolais bah moko. Guerre ya Estamboka Congo. Ils ont bah congolais bah moko. C'est le discours qui a changé depuis que Félix Antoine Tshisekedi a eu le pouvoir. Discours est comme une maman. Bah ce ne sont pas plus des Rwandais, ce sont plus bana ya Congo. Bana Congo nde batu bako sa bitumba mbongo. Et ce qui est un groupe nde bako lobeza insurrection politique. Oye ko sala makambu wana. Tu ebi keto na nonon 6, Mouzé Laurent Désiré Kabila venait attaquer gouvernement au pouvoir Ezaki à Mobutu, mais qui étaient derrière Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui soutenait Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était pas ces deux pays qui étaient derrière Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, ni les autres salariés qui passent à Bisson Maïe, les PT, Toye Bakeno, et Loko Eko Sala Bongo, Eko Ki, et Zapé Rwanda, on n'a pas salarié dans Mouzé Laurent Désiré Kabila, Loko là, Aza toujours l'intérêt Moko, Likolo et Congo, il peut aujourd'hui soutenir M23, il peut soutenir ADF, comme l'Ouganda peut encore soutenir pour Bazo Mabele à Congo. Ces voisins, je vous dis, nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux,
Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo, et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qui ressemble plus à l'allemand qu'en français. Là, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais, mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, mais comment les Congolais basant en mémoire si courte? Comment les Congolais arrivent à oublier des choses si facilement? Comment ça? Comment les Congolais arrivent à quoi blanchir Moutou parce qu'il a commis Pembe Nayo? Ata Satan Lelo, soit commis Pembe ni a Congolais moko, c'est qu'il a commis Nzambe. Le quoi aujourd'hui, le Rwanda est près de Félix Antoine Tshisekedi, c'est que le Rwanda va comme Nzambe, il n'y a pas la guerre. Et Gilles Alinguette va nous dire aujourd'hui, rapport mapping, tant que le Batou Baboma na Congo, ils n'ont pas cité seulement le fils, le digne fils du Congo, ils ont cité même le président de pays étrangers. Et pourquoi le Congo est président de pays étrangers, voilà, et ça n'a qu'à Congo, s'il n'y a pas guerre à la République démocratique du Congo. Ce qui est guerre en Ouest-Sili, et Sili l'Américain, d'une façon palpable. Est-ce qu'il faut? Il faut. Bolanda vidéo ekola ki c'était ba Rwandais, ba soldats rwandais nde bato bazana mabele ya Congo, ba kobundisa ba Congo, il y a guerre na République démocratique du Congo. O Gilles Alinguette il s'engeli a retiré ba monnaie, allo baté pour na ko plaire bato. Bokanisa te ka no mundela ko a kozala, o ko plaire ye ka na maloba. Nde bolobi mundela yo ki pa ye ko investir na mboka no. Non. Et c'est qu'elle a organisé, conduit les problèmes du Congo, les problèmes internes, avec comme externe, avant que Koloukaba batte Libanda, il faut d'abord s'organiser Nakata Congo, t'organiser armée Nabiso, t'organiser agence tout et renseignement, t'organiser la sécurité en Boka. T'organiser ma institution la biso de wana soto keli banda mboka tozaku na loko alobate kaka façon auto organiser le mboka na biso ça va déjà attirer le monde. Mais pourquoi lelo vous voulez
Kosa la propagande, koto kosa marketing ne loko ezate. Tolanda vidéo, ebongo tozongi sima. Des militaires rwandais seraient en train de se battre contre les forces armées de la République démocratique du Congo depuis lundi sur le territoire congolais. Ces propos sont de Thomas Dakin Moïti, acteur de la société civile, dans une déclaration faite à la presse jeudi. Il appelle le gouvernement à s'impliquer afin de faire taire les armes dans cette partie du pays où la guerre fait beaucoup de victimes. Le Rwanda a choisi de menacer sérieusement. C'est comme ça qu'on a enregistré autant de jeunes qui sont en train de mourir sans trace. On n'est pas en train de connaître qui tue les jeunes à Goma aujourd'hui. Et après, comme on a trouvé que ça ne suffit pas, il faut relancer les guerres, il faut relancer, il faut renvoyer les éléments du M23, faire la guerre au Congo. Et cela a été déclaré officiellement par un officier rwandais qui a dit « Nous allons faire la guerre là-bas. Et vous, les Rwandais, il faut beaucoup prier, puisque là aussi, ils sont en train de prier en disant « Dieu, aidez-nous que cette guerre cesse. » Il faut, vous, les Rwandais, prier très bien pour que cette prière-là des Congolais ne soit pas exaucée par le Dieu qu'ils prient. Et que nous, on soit là-bas, en train de faire la guerre et la sécurité chez nous, elle est garantie. Et donc, nous ne devons pas chercher midi à 14h. C'est une guerre qui est déclarée par le Rwanda contre la RDC en essayant de faire voir que les Congolais qui voulaient que la police rwandaise, qui n'était pas une police réellement, qui était une armée déguisée, qui voulait entrer officiellement, elle a été étouffée dans l'œuf. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire ça pour faire voir qu'il n'y a que le Rwanda qui peut nous donner la paix. Et Kagame a dit, je pense que vous, en tant que journaliste, vous l'avez très bien suivi, il a dit, ces gens-là qui prétendent amener la paix là-bas et qui ont échoué avec des milliards, s'ils veulent que je donne la paix au Congo, qu'ils me paient. Yenge, merci Zongi, to zongi vraiment les sous mingi na oyo etali nini boko comprendre ebite na munoko ni toloba soki na ba journaux soki na ba mission soki na ba déclaration bazo la qui c'était que ce sont des Rwandais des Batou bazo soutenir guerre ego salamana RDC. C'est le Rwanda qui fait la guerre à RDC. Mais comment les autorités, comment Mutoloko agit la ligne Obinotu Bobete la Maboko a zoomé ma bison à distraction. Bandeko ba Congolais. Bandeko ya Congo. Tout le monde a l'oko à Mutomoko. Tout le monde a l'oko à Mutomoko. Parce que ce que l'on dit théâtre au Julien Lingueta Bandeli Bissongo Bandana IGF, Motoboyibi, Tilelo, Biloko suite Zate, procès sans jour, sans suite, procès chez Béa, le gouvernement Félix, sans suite, interpellation Matata Pogno, sans suite, procès Eteni Longondo, sans suite, procès, comment il s'appelle, Willy Bakonga, sans suite. Le procès est bel et ça sans suite parce que les Congolais bazo ko se laisser emporter na ba mise en scène ya IGF ba mise en scène ya Jules Alinguette ba simple parole ya Jules Alinguette et yambo yo le quoi comprend que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Lui il pense que docilité au biso ba Congolais te nazan ngo le quoi toza docile. Le quoi la biso toza peuple moko o bakokio ko sa facilement que mutunyo so bakokio ko se facilement. Il est allé même en Amérique pour dire tout ce qu'il a dit. S'il n'y a pas la guerre. Et pourquoi il faut faire la paix. Tozongi si vidéo andeko Félix Antoine Tshisekedi oyo na campagne lui-même il a déclaré amoni makambo ko lekana estamboka Congo est enfer et le quoi biso faut ko ta paix de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. La partie du pays qui m'a le plus attristé, c'est l'Est. Je vous jure que nos compatriotes de cette contrée du pays vivent vraiment un enfer. Si j'ai parlé d'enfer, j'ai vraiment pesé mes mots. Ces gens, figurez-vous, ils vont...
ils vivent tous les jours comme la roulette russe. Donc ils ne savent pas le jour où ça va s'arrêter. Ils sortent le matin pour les paysans qui vont dans leurs champs, etc., sans savoir s'ils pourront rentrer le soir. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante. Et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays. Ces gens vivent dans leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire, à tel point que Vital Kamerhe et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant, nous sommes promis d'aller là-bas, nous installer, si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême et nous donnent suffisamment de majorité au Parlement pour avoir Vital Kamerhe comme Premier ministre, eh bien, nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment la priorité des priorités, parce que vous pensez bien, un pays qui veut décoller, qui veut aller sur la voie du développement, il ne peut que commencer par la paix. Et si on ne commence pas par là, ça ne sert à rien. La seule présence. Merci beaucoup, Bolandi, Ndeko Félix, à toi, c'est ce qu'il dit dans la campagne. Lui qui a reconnu que les gens ont une situation qui est dans l'Est, dans le Congo, où ils ont kimiaté. Et cette situation-là, s'il faut mettre la paix dans la situation-là, banal, il faut battre la paix. Et ça, c'est que bateau va diriger le lot. C'est à l'ingéte que ça a beaucoup de membres de la présidence. Félix, en toi, c'est ce qu'il dit, voyage tout à Sali. À Kenda, même dans l'Est, dans le Congo, il y avait un jeune garçon, un écolier. Oyo exposa situation à l'Est en Boka Congo. Et pour aligner cette situation, bien. Il y a la paix, étendue tout, il y a RDC. On applaudit pour Gilles Alingeti. Mais tant qu'on est de Wapi, Congolais, a quoi envier Libanda, Likambu, Oyo, il y a quoi l'ouka ben investisseur Libanda, Bobanda yango wuta kala. C'est si kato komisiko. Boko mona mutu moko te akoya, mutu moko te akoze. Parce que batu oyo, ba Rwanda, ba Uganda, bango déjà ba kenda kote ka situation ya mboka na biso Congo ezali. Totolo ba ke le Rwanda, Uganda, Burundi sont soutenus par batu o bilo boke ko senga le boko ba ko investir na Congo. Bango tout batu na ba yebi plani ni bazana ngo likolo ya Congo. Et vous pensez que batu na bino boko sa bango. Po bebi sa bango pe ezali. Bon, à quoi investir. Bino Mokoloni d'abo sali investissement, banda bo komi na pouvoir. Pour na kosi sansala, pour na ko créer emploi. Le Congo a les entours, les atouts plutôt, on est koki ko permettre na Congolais te koki ko senga, mbongo na mboka mupaya. To koki ko senga investisseur na mboka mupaya, o Congolais esengeli abimisa ba investisseur ya ye moko. To zala ki awa. To banda ko mona ba bato oyo. Ba homme d'affaires congolais. Aujourd'hui, il n'y a pas des hommes d'affaires congolais. Ils ne sont plus favorisés. Parce que les comme ba homme d'affaires, mingi, ba comme ka étranger. Ba to ba ko sa la business na Congo, ba comme étranger. Depuis Kabila, comme un pouvoir à favoriser ba étranger. Même ba to te ba banda kote ka biso masangu, to ba ka masangu a Bouamanda, ya Bouamanda plutôt. Est-ce que masangu a Bouamanda e banda outa Belgique? Est-ce que masangu a Bouamanda e banda ko outa pe banda ko outa Bouamanda? To yeba ka makambo ya ba ferme ya nsele. To yeba ka biloko o nyoso ba Congolais ba ande ko sala ana ba Congo. To yeba ka ba papa MB o bazaka na ba moyen de transport, ba société de transport, ba entreprise de transport. Ba oyo bazaka na ba entreprise ba Congolais belé. Mais aujourd'hui, bo lingi li sous ba Congolais ba zana ba entreprise, c'est parce que COP 100% hier, ya ko ko mo luka, to ke ko te ka Congo, to ko sa ba investisseur, ko to ba ko ya, to ko lia ka ba 10% na biso. Mais le problème du Congo, c'est le problème ya Congo. Ouais, sengeli na biso, na ba dirigeant na biso. D'abord, primo, ba sunga Congo e kende liboso.
Ouais, c'est quel il n'a pas dirigeant à Bisso. Bah, y'a ni ni bako qui co-organisé pour la Congo qui. Bah, tout bilo baoulou kalibanda. Bah, on m'a baza ba pauvre. N'a minute sur batou tout y'a libanda bako mou louke. Si kani ba aussi l'isanzala na bango. Et si kani ba aussi sa pauvreté na bango. Mais tout y'a tout s'organisé na Congo. Boko se biso bilanga. Na bakouluna. Leloyo. Congolais lié fri à bilanga ou si kani. La cantine populaire, bobeke bandino na bakambo to robimiso na ba place publique. Et si kanini ba cantine populaire ande te kami. Est-ce que Congo zangi étendu ya kolongo na masangu? Congo zangi étendu, Congo zangi moyen ya ko financer ba terre économique ya ko financer ba to ba lingi économie ya mboka Congo, ba o ba lingi ba investir na mboka Congo, ba o ba lingi ba congolais o ba lingi ba créer ba entreprise, ba ba petites et moyennes entreprises Congo ce qui te sert en route. Et pourquoi nous comptons seulement aux pays étrangers? Pour la ligne, il faut qu'à tout compter na perba pays étrangers tout ça na maille eux qu'on perd qu'on peut permettre les bisous tout l'on a mis ici tant que tout l'on a mis ici et qu'on permettre été tout que vous le soyez mis ici na Namibité tout comme on l'a mis ici na bisous et outil na maille qu'on crée un bateau de pêche au Bolaga qui dernièrement dans mon réseau social qui sont un bateau de pêche. Ma bateau de pêche est bien au Bolaga qui sera dans ma photo, dans ma réseau social. Est-ce que vous ne pouvez pas créer des entreprises? Bon, bandit, on a ma propre biloko tozanango, na otozanango to créer non, na bambongo batu bako dépenser, bambongo batu bako iba, bilomi se zaka boke libanda, boke ko senga batu bako investir, parce que boebi ke boko soa ba 10% na bino, na ba entreprise wana. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises? Il y a des étrangers, oh bako soa bambongo a mike mike pona. Baza entreprise étrangère. Et comme il y a un niveau, le quoi beaucoup Luka Kosova 10% il y a qu'on nie même la mort. Qu'on nie même la victime de la guerre depuis 94. Au tire ils ont continué. Pour comme il y a un niveau, il y a qu'on nie Bango. Et bon, il y a un génocide congolais. Il y a un niveau qu'on dit que réellement, dans le Congo, il y a un génocide. Il y a un niveau qui a proclamé officiellement génocide wana ndeni boko mana ndivo ya koke kolela ya kolela te ya kosenga force ya bande ko musu poto benga na betranje ndeni boko mana ndivo ya ko organisation organiser binomo so ma bewe sa mana mboka bosita ko ndimangote na bino batu bofanda na president. Vraiment vous avez dessus le peuple congolais. Il est comme nous, il sait bino d'ailleurs de mende pe boza boye biango. Mais je ne vais pas vous demander pour confirmer. Tout le monde veut le changement. Même dans le camp, il y a FCC aux Omonaran. Ils veulent le changement. Le peuple congolais a ça totalement dessus pour la Makamboaboué. Le peuple congolais a continué à couper Fatiwap. Ce qui m'a fait une insurrection. Mais pour en finir avec ça, vous direz que ces groupes armés sont nombreux, que les gars sont FARDC. Et pourquoi vous n'arrivez pas à organiser la FARDC? Parce que vous ne voulez pas. Parce que c'est lui qui veut une paix. Mais toi, l'ingi qui a organisé FARDC, a co-organisé. Mais toi, l'ingi, a qui est liboso. Vraiment, ça fait mal. Botande bandeko ba congolais pays au babalo ba ke ba guerre zate botande ba congolais ba kuma kolala botande ba congolais ba kuma ko vivre botande ba congolais ba kuma kolia tozongisema. Mewa simenjo hali ngare vile kisi tuko ankula wale kwetu kwa simu. Moi, je suis allé à Kizungu, je suis allé à Mutumapla, je suis allé à Tunakula Wali, je suis allé à Mumayani, Mumayani Andizi, je suis allé à Ville Gistuko Napiga Matongi. Moi, je suis allé à Tukule Kizungu, je suis allé à Tena. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
Et voilà, pole sana. Pole kabisa. Pole kabisa. Et voilà, pole. Pole sana, pole. Pole, vas-y. Dio. Ndugu Romeo, umefika.